Les sanctions ont été un facteur extrêmement important pour garder nos voisins à la table des négociations. La Russie est venue et est restée à la table des négociations en grande partie à cause des sanctions. Je pense que nous sommes très reconnaissants des investissements qui ont été faits par les contribuables européens, ainsi que des engagements pris par les entreprises européennes pour maintenir ces sanctions. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que cela continue jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Si nous pouvons expliquer aux Ukrainiens comment ces réformes vont améliorer leur vie, peut-être pas demain, mais le jour suivant, ils ne vont pas seulement comprendre, mais ils seront reconnaissants envers ce gouvernement, son président, son parlement nouvellement élu, ainsi que le collège de représentants au gouvernement, qui prennent en main ces réformes que les Ukrainiens attendent depuis des décennies.